Évangile, on est à la page 3. Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont Vous avez un petit peu suivi le déroulement de Jésus? Ceci peut me dire de quoi il est question. C'est compliqué, hein?
personne ne sait. Il se remet. Hein, en ce moment, je sais un petit peu ce qui s'est passé pour Jésus. Hein, Jésus, qu'est-ce qui s'est passé pour Jésus le vendredi saint? Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qu'il sait? Personne ne s'en sait. Hein? Sur une croix, hein, la croix de l'Église, c'est Dieu qui nous rappelle toujours la mort de Jésus. Hein? Est-ce qu'il est toujours sur une croix, Jésus? Est-ce qu'il y a encore? Non, il n'y est plus. Hein? On le représente encore sur la croix, mais on devrait plutôt montrer une croix sans rien du tout, puisque Jésus, nous disons qu'il est vivant. Il est arrivé à nous aussi, à ses amis. Alors il s'était verrouillé, et puis Jésus, tout d'un coup, est apparu. Ce qui veut dire que Jésus, maintenant, vit d'une autre vie. Les apôtres, d'ailleurs, ont été surpris, qu'est-ce qui se passe quand ils l'ont vu, hein? Et ils se sont rendus compte que c'était bien Jésus. Ils ont vu les trous dans ses mains, la plaie dans son côté. C'est ça, les gens. Et Jésus lui a dit, à demander, regarde, touche mes mains, touche mon côté. Certainement, il n'a pas tout fait, il n'a pas Jésus aussi, mais on ne le verra pas, sinon, nous passerons dans l'éternité, quand nous serons avec lui dans le royaume de Dieu. Alors, on verra. Dans sa splendeur, dans toute sa gloire. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que nous sommes en attente que cette vie se renouvelle, qui se prépare. Elle est morte et a été ensevelie. Elle est descendue aux enfers. Le troisième jour, elle est ressuscitée des morts. Elle est montée aux cieux. Elle est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Thank you.
Prions ensemble pour en offrir le sacrifice de toute l'Église. Ils vivent en témoin de l'Évangile et parviennent au bonheur sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous sommes devant pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi.
Également, on signale que la cour à l'ombre est à la sortie.
quand elle est à votre disposition, ceux qui voudront participer directement près de l'état de sang, c'est-à-dire que vous allez avoir supposé quelques minutes. Nous prenons notre dernier article qui est la première. Initiative de l'association Amadou Sanjou, dont M. Thierry de Chaume est président et près de moi, que de nombreux comités et associations se sont regroupés pour participer à l'organisation des différents concerts, rencontres et visites. C'est aussi avec la participation passionnée de Mme Maïda Mouretchalou que ce projet. Que je tiens à remettre la médaille de la commune à monsieur le directeur de la radio-télévision de Gap, monsieur Lucet, merci beaucoup. Chef de cœur, je sais bien qu'on remet les médailles si on les a méritées, mais à Saint-Barthélemy, nous faisons confiance et nous savons d'avance que ça sera magnifique. Good job.
accueilli dans une soirée moitié romaine, moitié universelle, Saint-Barthélemy, bonsoir. Pour ceux qui n'ont pas été présents, je vais vous faire une petite présentation selon quelques mots sur cette chorale d'enfants que vous avez sous les yeux. Ils sont 65, ils ont 52 touches. Peut-être qu'elle va faire partie bientôt d'Angélique. Donc ils sont 52 filles et quelques garçons. Mais à cet âge différent, ils ne sont pas trop montrés. Leurs voix sont merveilleuses et ils viennent de chanter dans plusieurs endroits. Et ils ont aussi une cassette que vous allez peut-être pouvoir acheter à la sortie. Et ce soir, nous allons commencer notre programme avec 13 chansons roumaines. Tout d'abord, une très ancienne prière, Notre Père.